Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Les petits blogueurs, vous allez encore me respecter. Vous avez vu depuis cette histoire de Monfassori, moi le général 5 étoiles, je n'ai pas partagé. Je vous ai dit, c'est pas clair. Écoutez, écoutez, voilà, l'audio là. Quand on vient du commissariat central de police de Siguiré, partagez au maximum. D'être arrêté par, bonsoir mon grand Daouda. Abidjan, en l'occurrence, Ousmane Kaba a arrêté Monfassori. Là où nous parlons, Monfassori est à bord de la voiture du commissariat central pour la présidence. Donc, il a été arrêté par le commissariat central à Abidjan, en l'occurrence, Ousmane Kaba. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans la journée, on a vu Monfassori dans une vidéo, apparemment dans de très bonnes mains. Il avait bonne mine. On dirait qu'il était dans un hôtel. Il expliquait dans sa langue maternelle. Apparemment, il était bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé de ce coup? Pourquoi il a été mis aux arrêts? Voilà, on a demandé le commissaire central à Abidjan, Ousmane Kaba, a dit que Monfassori a fait une vidéo aujourd'hui concernant sur sa situation, disant qu'il peut circuler partout, il veut en Guinée, que rien, en tout cas, n'est contre lui. Mais très malheureusement, le commissaire central a dit que cette sortie de Monfassori était une fausse sortie, car Monfassori était en tout cas très recherché. Aujourd'hui, Monfassori a fait un déplacement, il est venu au bureau du commissariat central en disant qu'il est venu non seulement prier, mais dire qu'il est en tout cas dans l'esprit du CNRD et tout ce qu'il a fait, que ce n'était pas en tout cas contre le colonel Mamadou Doumbouya, mais plutôt il était pour le colonel Mamadou Doumbouya. Il a appelé aussitôt en tout cas le directeur général des renseignements généraux. Vous avez entendu, non? C'est-à-dire que moi je vous parle, vous ne comprenez pas. Vous avez bel et bien entendu l'associé de Mamadou Doumbouya. Je vous avais dit ici que Monfassori lui-même s'est déplacé, qu'il est dans l'esprit du CNRD, que tout ce qu'il a fait, ce n'était pas contre Mamadou Doumbouya. Moi, je vous avais dit ici, c'est ce qui a créé des problèmes aujourd'hui à tous ces soldats aujourd'hui. Même si les gens n'avaient pas l'intention de faire quelque chose, je vous ai dit la sortie de Monfassori, oui. Aka Mamadou Doumbouya na la molu kal nyamaka est une manière de détruire l'armée guinéenne. Mais vous avez entendu aujourd'hui que Monfassori dit que tout ce qu'il a fait, ce n'était pas contre Mamadou Doumbouya, qu'il est dans l'esprit du CNRD. Alors, ceux qui parlaient la dernière fois, Damaro, et Kanana Fouata, moi je vous avais dit, Monfassori, moi, nous on a entendu autre chose. Si vous voyez que Monfassori est sorti la dernière fois, prendre le courant pour jurer. Nka falunyenea. Nko Monfassori ni Mamadou Doumbouya albeko krenema. Ma falunyenea. Aha, aujourd'hui là, vous allez dire quoi? Je vous avais pas dit. Aujourd'hui, Konan, il a arrêté. Tout ça, c'est des mises en scène. Abé cinéma ni. Abé cinéma ni. Tout est cinéma. Tout est cinéma. Voilà. Monfassori, kakouma m'fama m'fou akokeo. Il n'a pas tué quelqu'un. Il a rêvé, il a vu, c'est tout ce qu'il a dit. Donc, juridiquement, il n'y a rien contre Monfassori. Mais comme c'était le jeu, voilà, c'est ça maintenant. Tous ceux qui étaient là ont dit, ah, Monfassori, il n'était pas contre Doumbouya. Il vous a dit aujourd'hui qu'il est dans l'esprit. C'était pour dire que d'autres voulaient faire le coup d'État. Et pour casser les militaires, les arrêter. Moi, je vous avais dit, Nko Monfassori, soit... Il y a des militaires sur la suite de l'Alcola, Altre Laminina. Monfassori a entendu ça. C'est pourquoi Monfassori est sorti. Et ben, moi, si tu me demandes, je vais dire que même, il n'a même pas rêvé. Dina Makoumanye, Woklo Makoumanye. Ceux qui sont venus là-bas, là, pour dire qu'ils vont se laver, là, quand Laminini, c'est à partir de ça. Mais voici le résultat aujourd'hui. Vous avez entendu que non, qu'ils l'ont pris, que direction, la présidence est. Où est la justice? Hein? Co-direction. Écoutez, hein, écoutez, vous allez nous respecter. À l'intérieur du niveau de la présidence,
selon lui, a dit directement d'arrêter Mofassori et de l'envoyer rapidement à la présidence. Voilà. Nous parlons, Mofassori est arrêté. Que c'est le directeur de service de renseignement à la présidence qui a ordonné au commissaire central de Sigiri de transférer Mofassori directement à la présidence du CNRD. Alors, pourtant je vous avais dit ici, et j'ai dit, moi mon instinct, c'est-à-dire mon intuition ne me trompe pas. Mon intuition ne me trompe pas. J'ai dit, ça c'est avec quel intérêt? S'il était contre Mamadi, est-ce qu'il avait besoin de dire ça? Mais aujourd'hui, là, la dernière fois, j'ai dit que non, il est dans le même coup avec Mamadi Doumbouya. Oh, il y a des gens qui ont commencé à parler. Et Damaro Barafota, Damaro a dit ça, Assinita, Abonita. Aujourd'hui, là, vous avez entendu, venant même d'un proche de Mofassori, qu'il n'a jamais été contre Doumbouya, qu'il est dans l'esprit du CNRD, et que ce qu'il a fait, ce n'était pas contre Mamadi Doumbouya. Maintenant, vous êtes satisfait, non? Awa, donnez-moi maintenant les étoiles, parce que je vous avais dit. Moi, je vous avais dit. Nka Falunyene, j'ai dit le type, il est en train d'aider Mamadi Doumbouya. C'est pas ce que je vous avais dit. Donc, il y a certaines choses, il ne faut jamais se réjouir. Il faut juste analyser. Depuis que Mofassori a parlé. Hein? Hein? Ok, toi maudit là. Attends, je vais te bloquer. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Que toi, tes amis sont ministres. Que toi, tu es blogueur. Moi, ce que je gagne dans le blog... Ces ministres-là, s'ils ne volent pas là, ils ne peuvent pas gagner. Voilà. Hein? Ton Mamadi là, moi mon diplôme dépasse ton Mamadi. Si ce n'est pas un bandit là, il ne peut pas arriver où il est aujourd'hui. Ton Mamadi là, moi Damaro, j'étais connu avant ton bandit de Mamadi Doumbouya. Tu as compris? Moi, Damaro, j'étais déjà connu avant ton bandit de Mamadi Doumbouya. Donc, Mamadi Doumbouya, il ne me dépasse en rien du tout. Il était qu'un simple légionnaire, viré pour indiscipline. Son CV en Hollande s'est gâté. Et moi, mon Damaro, mon CV aux États-Unis, clean, propre. Parce que je fais du sérieux. Moi, je travaille. Moi, je ne me suis pas mis dans les affaires louches comme ton Mamadi Doumbouya en Hollande. Donc, si je voulais la facilité, là, comme ces gens-là, c'était facile pour moi. C'est eux qui sont venus vers moi. Donc, si tu n'as rien à dire, je préfère être dans le gouvernement de El Hassan Doumbouya que d'être dans le gouvernement de ce bandit de Mamadi Doumbouya. Je préfère être dans le gouvernement de El Hassan Doumbouya que d'être dans le gouvernement d'un traître. Gaïko. Vos ministres là, ils vous en donnent quoi? Les jeunes, vous avez quel emploi? Aujourd'hui là, montrez-moi un ministère où ça va. Ça pleure partout. Nous sommes le combien aujourd'hui? Les fonctionnaires ne sont pas payés. Beaucoup de fonctionnaires ne sont pas payés. Beaucoup de fonctionnaires ne sont pas payés. Non, balle de putain, je vais lui répondre. Moi, j'ai le temps de répondre les moutons ici. Hein. Beaucoup de travailleurs aujourd'hui sont assis. Vos bandits là ont pu changer quoi? Parce que vous n'aimez pas qu'on tape sur ces bandits là, ces vauriens qui sont là. Ces malhonnêtes qui sont en train de gérer ce pays là. Ces bons à rien qui sont en train de gérer. C'est pourquoi j'aime parler. Je vais bien corriger vos bandits là qui sont là. Mamadi a fait quoi sur le plan de la démocratie? Il a fait quoi de mieux que le président Fakonde? Ce bandit de Mamadi Doumbouya, il a porté quoi? Ce n'est pas la dictature totale? Et vous qui étiez là, hé, hey, liberté, vous avez compris maintenant? Mamadi n'est rien d'autre qu'un narco. Un faux type. Il n'a jamais été bon en Europe, ni dans le gouvernement du président Alpha Condé. Tout le monde a vu ce qu'il a fait à Kindia. Du jamais vu dans l'histoire. Un militaire tiré des corps comme ça. Et ils ont caché ça, trompé, mentir au président Alpha Condé. Mais la vérité est là aujourd'hui. Monsieur Condé et son enfant, ils les ont tués à Kindia.
Tout ça, ça faisait partie de leur plan de préparation du coup d'État. Il fallait éliminer des hommes fidèles, des hommes forts dans l'armée. Ils les ont tous éliminés. C'est pourquoi je ne peux pas aimer ces bandits-là. Mon Foualamounou, mon Kourounou. En tout cas, Fala Bandjou, Abba Mamadi Doumbouya. Il faut être juste un profiteur pour apprécier ce bandit-là. Regardez aujourd'hui le pays. Qu'est-ce qui marche? Dites-moi. Le courant, ça va? Non, si le courant, ça va, dites-nous. Si le courant, ça va, dites-nous. Le prix des darés, ça va? L'emploi des jeunes, ça va? La sécurité des Guinéens, ça va? Je veux savoir. Conditions de vie des Guinéens, ça va? Dites-nous. Les points que je suis en train de citer là, Mamadi a dépassé le président Fakonde sur quel point? L'UFDG ANAD, ils étaient opposés au président Alpha Condé. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya a fait de mieux que le président Alpha Condé? Je veux savoir. Donc, Kokinissi, Manamana Kanfo, Sonou, des bandits, des narcos viennent, ils prennent le pays en otage. Kaké Manamana Kanfo et Molu Nyakoro. Moi, je n'ai pas le temps pour vos bêtises là. Donc, les De Gaulle ont été éliminés, les Nou Cham ont été éliminés. Hake, vraiment, Ouma Baré, Hake qui va finir avec eux, vraiment. Hake, c'est Hake qui va finir avec eux. C'est ça même, mon frère. C'est des ingrats. Quand on dit ingrat, il n'y a pas plus ingrat que les gens du CNRD. Surtout Mamadi Doumbouya. Mais il pense qu'il va réussir dans ça. Wallahi, on va se réveiller. Le bandit, c'est fini pour lui. Ils l'ont raté deux fois. Comme l'a dit mon Fassori. Comme lui aussi, il veut profiter. C'est ça. Moi, je vous ai dit, nous avons fait un compte, c'est là, mon Fassori, Kana. Et mon Fassori, le Koal Benye, qui n'est si jamais n'y a qu'or. Kono, qu'il arrive, et Bala, Akakibaro, Mike, Kosarakata, là, comme Mamadi Doumbouya, Kudeta, Ketala, là. Et mon Fassori, Kerewoye Bafana, le même mon Fassori, il vient s'asseoir encore devant les Guinéens, qu'ils ont attrapé sa famille, que non, s'ils veulent que lui les aide, voilà, Mamadi Doumbouya, lui, il veut parler directement à Mamadi Doumbouya, sans intermédiaire. Moi, mon cerveau là, mon esprit là, est là pour analyser les propos. Voilà. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Depuis qu'il a dit ça encore, Nkalilani dit kamine là. Moi, il faut aller dans la kateko là. Et il dit encore à la personne, il faut m'appeler. Vous, Alka Onyedi, Menkakano, quand on dit qu'il n'y a pas de sacrifice, la même personne vient vous dire encore que non, qu'il doit parler. Voilà, s'il veut la solution. Alors aujourd'hui là, au commissariat de Sigiri, que oui, que mon Fassori dit, il est dans l'esprit de Mamadi Doumbouya, que tout ce qu'il a dit, c'est en faveur de Mamadi. Je vous ai dit, c'était des militaires, peut-être, qui essayaient de se laver, quoi. Comme au temps du président Alpha Condé, ils l'ont fait contre le président Alpha Condé. Ils sont allés chercher des anti-balles. Et anti-balles effets. Et cigares. Je ne sais pas comment on dit ça en bon sous là. Et cigares. Et Mara. Voilà. Ça, Kounina Rasso et moi. Donc, mon Fassori Nana Mère, Amini, Aoulé. A fini na figura kirena fala fe sende na préparer fe coup d'état na ba fe Mamadi Doumbouya voilà nana fala robe awa c'est ce que son porte-parole a confirmé que il est dans l'esprit du CNRD moi na fala ne obe na ji fe fala ne obe awa il y a pas de justice dans le pays hein. Awa mo fasori c'est direction la présidence Mamadi Doumbouya na denre Arasiga d'intégrer Araba. Ah, falla rekianara Araba manakine. Et ça, ma véhicule climatisé n'en cuit. Et dossier soyira adégué, ajumi propre. Vous avez vu aujourd'hui, sur la page, je ne sais pas, d'un petit empoli là. Voilà. Petit ndena Europe nakiko. Attendez. Je vais vous montrer. Quelqu'un qui. C'est le seul blogueur adégué Mamour Ngoma. Voilà. C'est le seul blogueur. Adegema Mukungoma. Attends l'air birin. Allo, Abarage sur Europe. Voilà. Mouma Kulatana Kaneke. Voilà. C'est lui. Obarato. Attends petit nous, mon Fassori Naya.
Mon fassori, à nous, mon fassori, voyons un netto. Que non, c'est maman. Donc, c'est eux, les supporters. Au bout, c'est tout. Au nom de Romain, mon fassori, moi, je vous ai dit, le 28 est passé, non? 28, voilà, dangui, non? Moi, je vous ai dit, hein, je vous ai dit, affaire là, je vous ai dit depuis longtemps, non, ne croyez pas à ces futilités-là. Dieudounia, vous pouvez voir certaines choses, mais mire, pour dire 28 jours tard. Allah kirim petit, Allah subhanahu wa ta'ala, a kirim petit nan. Mais non, ma frère, d'amaro fakamane, nata non di nan falare. Mais que yoa fala, d'amaro, il fakamane, a kaimbara non di fala. Mais d'amaro, il fakama di l'orane, Allah kirim petit nan a fait que l'on. C'est Dieu seul, Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Quelqu'un peut se préparer pour dire, il va venir tuer Damaro, mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui choisit le jour. Il peut se préparer en venant à accident na bameni, Allah kirena no manatan. Ou moi, ou il peut mettre en tête que non, il va trouver Damaro à la fin des rabats, n'tamoulou mameni. Donc, nanara na falaga oube, mon fassore rafé, à non du kirena gam falaga. Coup de tatan na bama dumbuyara, mais 18 jours, 28 jours, nara woule nanaki. Nata pression nanaki pour que Dumbuya ramire et m'assoira à non du falaibe. Agnon? N'a fait en falane oube. Mais les conséquences, tout le monde a vu. Ça a créé quoi? Des arrestations dans l'armée. Mamadou Doumbouya et son clan paniqués. Paniqués partout. Mouna Tamfala Obe. Donc, c'est pourquoi je vous dis, moi je ne suis pas comme les petits là, les bavards là. Actuellement, Singera et Nukele, awa et bien une vidéo collée nan Bama Diller, tellement que Kobri Firafa et ma. Fouera Damaro Kheli Namfala. Damaro Kheli, général Kheli, et Tambe, moi je n'ai rien à faire. Je vais venir Ndoko pour répondre à des blacros. Bon, voici, je réponds un blacro sur Facebook ici. Désabonnez-vous sur ma page. Si vous voulez insulter mes parents, insulter, venez diffamer le général. Kaota Mundegema, Omumbaloma, Omumahirima, Ntanga Yomuma. Tant que vous avez dit, vous avez dit, ou bien on déballant. Ou ma compte bloqué. Orana manamana. Nta mayama. Mo yabima. Voilà. Vous les petits. Ananta nous mamadi doumbouya nanta gyanou CNRD. Donc vous les blacoro là. Vous voulez des vues non? Vous-même vous voyez. Tant que vous parlez du général aux visibilités. Parce que les gens sont curieux. Le général est plus connu que vous. Le général est aimé que vous. Donc les gens ont cette curiosité. Qu'est-ce que ce gars est en train de dire sur le général? Awa na curiosité. Onananto manaki. Oh, vidéo et mato. Oh, nous général Khalifa la dede. Les gens regardent par curiosité. C'est pas parce qu'ils vous aiment. Ils regardent par curiosité pour qu'est-ce que vous avez dit. Bon, ça c'est bien. En parenté nan naora. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Oh, nous motem na rae. Fe. Nous diplômes se oira. Nous y abiman. Son. Na fala dit enfant, dit amoufa. Voilà. Donc, prions pour la Guinée. Hein? Parce que Tore na rana la Guinée d'Ileri. Agbo. Ils ont fait sortir les gens. Il y a des gens qui dorment au dehors aujourd'hui avec ces pluies diluviennes. Et franchement, ça fait pitié. Nere na foteta alabe. Même si c'est 25 euros. Alabe. Beni mourasiga boîtier. Beni mourasiga goutier. Ntanyamu gouti sara masono. Beni mourasiga sankire sara 500 000 dollars. Alabe. Mouramu manyogun. Mou barinye ma la Guinée. Pensons à nos parents, nous qui sommes en Occident là. S'il vous plaît, au lieu d'aller acheter des chaussures à 1000 dollars, à 500 dollars, vous pouvez avoir de la bénédiction. Pensons, regardez le Mali, c'est grâce au diaspora. Regardez le Sénégal, c'est grâce au diaspora. Regardez le Liban, c'est grâce au diaspora. Nous pouvons contribuer aussi autrement. Pensons à nos familles d'abord, même si c'est 50, 25. Ils peuvent acheter des kilos de riz avec ça. Les diaspora, pardonnez. Pensez un peu. N'ayez pas honte pour dire que vous allez envoyer 25 dollars. 25 dollars, c'est beaucoup. Ne dites pas non, je vais avoir 200 dollars. Non. On nous cesse soto. Warasambima. On nous cesse soto. Aura de vos anciens habits là, au lieu de jeter, ou bien quoi, emballer. Irena, Warani, Wasafikui, Warani, Ema, Nabirifa. Il faut que nous venions en aide à nos parents en Guinée.
Je vous ai dit le Sénégal aujourd'hui, bangi fany begbena et kany na fotetane et muna dede. Sénégalais, avant d'acheter une maison à l'étranger, il construit d'abord chez lui. Donc, mes chers compatriotes, les surtout les diaspos, moutanere mou débrouillement à la baie, à Kourou Kyoki, et tenen nameni, et narane mouama. Et oncle nameni, et narane mouama. Pardonnez, essayons de faire quelque chose, sinon, galère narana. Vous voyez des gens aujourd'hui, ils meurent, c'est semara. Wallahi, les gens la préfèrent mourir. Benira Yagi, des directeurs, ceux qui étaient des directeurs, ils ont servi. Quartier Kui, Etanan Naoto Fanyi, Febiri, Etanan Tessari Soma Djeneira. Aujourd'hui, ces bandits-là sont venus ruiner la vie, au moins, même s'ils recevaient l'argent de pension, c'était encore plus bon. Nemunoma Malibek Kire Saradeto, ceux-ci la préfèrent mourir. Stress Barande Faka, parce que dit bandits, c'est du jamais vu. C'est des voyous, ils n'ont aucune notion de la République. Alors, à mon moment, l'idée, wallah, m'aura borré. M'aura barakbilé 20 ans en arrière. Tous les grands démagogues, la Guinée fils, c'est-à-dire tous les grands escrocs, c'est le rendez-vous des escrocs, le CNRD. C'est le gouvernement des escrocs. Tous les bandits, au Cameroun, n'est bien encore de l'Union. Wallah, il y a bien CNRD. On a remarqué là-bas, la Guinée. Et n'est-ce pas, Cameroun, faux type. Aussi gâteau. Les petites filles, et Baragé Moura Guinée dit, mais Birin Canadé. Mouyati, y'a quoi, Birimara? Et Guinée, Massara, allo, Dougi. Et nous, go, Kirin, Massotode, et Rayo Mouna Massono. Afla, si tu veux que je te donne de l'argent, envoie-moi une de tes copines. Allo, marchandise. Otambe, Allah, Subhanahu wa Ta'ala, Nanyen, Moudel, Nagana Bafé, Moura Bori, Nata, Allah, Kinikini, Mane Mouma, mais Moura Imam et Dor, mais il faut y fourir à fi. Mora fourier d'or, mais il faut y fourier à fait. Mais il y a des falama, des bandits. Et Rakeli, le renom, et Raraba, a rédé dans la démagogie. Voilà. Donc, franchement, essayons chacun de s'en parler. Et moi, je fais pour moi d'abord, on dit la charité bien, ne commence par soi-même. Moi, je commence aussi par ma famille. Donc, Biringa, ndama fala mikoyo ba araba ma famille be. Biringa araba ara famille be. C'est ce que voilà. Biringa ahurun kioki a fini par semaine, a fini par le mois. Bientôt, la fête de Tabaski qui arrive. Il y a des familles. Enya mudugife falama. Et rappela kirin soto. Na lore. Donc, c'est le bon moment de préparer tout ça. Donc, au lieu qu'on parte ici, acheter un plat ici à 100 dollars, mangeons, limitons nos dépenses pour pouvoir aider nos compatriotes à la maison. Parce qu'ici, on mange, on jette la nourriture, on n'a même pas... Voilà, donc il faut penser à ces gens-là. Moi, c'est pourquoi j'aime les Sénégalais. Wallahi. Dakar, les diasporas sénégalais, ils ont fini de construire Dakar, acheter. Mais ça aussi... Avec l'aide du gouvernement, il y a des programmes de construction. Donc, il y a Kobri Taïma Walema. Parce qu'en Guinée aussi, c'est ça le problème chez nous. Il y a des diasporas, si vous voyez qu'ils ont peur aujourd'hui, ils ont coupé le contact. Parce qu'il n'y a pas ce système chez nous, comme en Côte d'Ivoire, au Mali, et au Burkina, au Sénégal. Il y a des agences de construction où tu envoies l'argent directement. Ils avaient commencé, mais avec l'arrivée des bandits, là, tout est mort. On avait commencé avec les endroits là, comment on appelle ça même, plaza et autres là. Mais ça, c'était au niveau des riches pour voilà. Et ils allaient commencer pour les enseignants et autres. Parce que on a des jeunes malhonnêtes. Quand tu les envoies aujourd'hui, tu dis, ah, le terrain, ils vont te dire, le propriétaire du terrain veut vendre le terrain à 5 000 $. Mais lui, il va venir te dire, ah, il dit 10 000 $. Wallah, et toi qui es là en train de galérer, lui, il gagne la moitié de ce que toi, tu es en train de galérer. Au lieu de dire 5 500 ou 6 000 à défaut, non. Wallah, ils vont te dire 10 000. Et vous les fala. Et maintenant, siga, le démarché et nous, na, et complorable contre toi, toi, le diaspora qui est là, qui te tue, il t'a mené ma krimbeli bouma, il fait faim birinaba. Tu fais tout pour les aider là-bas. Ils vont te mentir que non, le prix, c'est ça. Ils vont commencer à construire. Et où les fallait bien. Et en plan, il y a une cigarette, tu seras dessus souvent. C'est parce que l'État, ils n'ont pas mis ce système comme au Sénégal.
il y a des diasporas qui achètent 3 maisons à la fois et ils payent petit à petit, ils finissent de payer. Sans problème. Donc, Moufan, nos frères qui sont là-bas, là, hey, vous voyez, on ne cherche pas facilement go. Donc, vous aussi, comprenez, quand quelqu'un te donne, même si c'est 25 $, il faut lui dire merci. Parce que, au temps du président Alpha Condé, tu pouvais envoyer 100 $ à quelqu'un. Une fois qu'il a le code, il a l'argent, même t'appeler pour te dire merci. C'est toi qui vas dire, ah, tu as reçu. Ça, à ce moment, la Guinée était d'où? Ça, c'était le temps de Koro. Au temps de Doumbouya. Il faut appeler quelqu'un, non? Je t'ai envoyé 200 000 francs guinéens. Wallahi, il va bénir pour toi. Il va te dire, eh, si tu sais dans quelle position l'argent là m'a trouvé. Ah ouais, c'est pour vous dire que, Abara, c'est chaud. Billahi, tu donnes 100 $, 200. Souvent même, il y a des gens, ils vont te dire, ah, 300 $ seulement. Mais aujourd'hui, là, Billahi, il faut envoyer 50 $. Ils vont bénir pour toi. Les mêmes personnes à qui tu donnais 250, ils vont te dire c'est petit. Il faut leur donner 50. 50. Billah, ils vont bénir. C'est pour vous dire que c'est chaud. Ça ne va pas du tout au pays. C'est du jamais vu. Au temps du Koro, envoie. S'ils t'ont appelé pour te. Ils vont rester. Toi, tu as le message ici. Tu envoies sur IA ou autre. Ils vont te dire oui. Et la personne a reçu. Toi, tu as déjà. Tu es tranquille dans ta tête. Mais lui. Il pouvait t'appeler 10 fois pour te dire, hey, grand Imara Samba, tu ne m'as pas donné le code, tu n'as pas encore fait. Là, il va trouver les solutions, le temps pour t'emmerder, pour te dire, tu n'as pas encore envoyé. Non, il peut t'appeler direct, au lieu même d'appeler Facebook, il va t'appeler directement. Mais une fois qu'il a seulement, ah non, 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 pour te dire non. Mais actuellement, c'est pourquoi je dis, toute chose est bonne, hein. À quelque chose, malheur est bon. Aujourd'hui, tout le monde, ça devient prise de conscience pour tout le monde aujourd'hui, ce coup d'état. Même ceux qui ne se parlaient pas hier. Aujourd'hui, tout le monde se parle. J'ai dit ce coup d'état. C'est pourquoi quand Dieu fait quelque chose, quand tu t'assois, tu réfléchis, tu vois vraiment la raison pourquoi Dieu a fait ça. Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya n'a pas de baraka. Wallahi barakate Mamadi Doumbouya fait. Billahi barakate Mamadi Doumbouya. Les gens pensent qu'il y a baraka. Et sinon, Shaitan, Dieu allait lui donner. Dieu, tout est test. Sinon, Shaitan et les pharaons, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Des châteaux, tout. Tout ce qu'ils veulent faire, tout ça c'est Dieu. Ça c'est pas baraka. Quand je vois des gens, des fils, des mauvaises personnes en train de dire, hé, telle personne, baraka a fait. Baraka et moi me fait frito, ma. Baraka et femme fait au tebena. Baraka et femme fait, voilà. Monuma, Dieu va te tester. J'ai dit ici, l'opposition hier, ils n'ont pas compris. Ils ont prié Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont prié le bon Dieu, que le pouvoir du président Fakonde tombe. Ils ont lu Fatia. Mais ils n'ont jamais dit. Que ce qui est bon pour nous, qu'Allah fasse cela. Ils ont dit que le pouvoir tombe. Mais ils étaient dans le bateau sans penser que si le bateau coule, qu'est-ce qui va arriver? Mombo, il a été victime. Même que le président Alpha Condé. Mombo a perdu sa maison. Sidi a perdu sa maison. Donc vous avez vu comment les conséquences de ce coup d'état. Aujourd'hui, les jeunes de l'Axe, Mamadi est en train de les faire descendre, non? Pourtant, on disait que non, c'est le président Alpha Condé. Pourtant, le président Alpha Condé n'est pas militaire. Pourtant, le président Alpha Condé insultait. Je n'ai même pas dit insultait, plutôt grondait. Grondait sur ses ministres de la Défense et le directeur de la Sécurité. Que pour ne même pas qu'il y ait des blessés, à plus forte raison des morts. Je vous ai toujours dit fermeture des frontières quand vous analysez tous. Chef d'état-major pendant combien d'années? Si le chef d'état-major et les services de renseignement ne donnent pas leur avis, est-ce que le président pouvait prendre des décisions pour fermer les frontières? Et surtout où? Au niveau du Sénégal. Tout ça c'était fait parce que leur plan, il fallait utiliser l'opposition pour légitimer. Je vous ai dit, c'est quand l'affaire de drogue là est venue, que les Mamadi étaient cités, qu'ils ont accéléré le coup d'état. Parce qu'ils allaient tous tomber et l'affaire de coup d'état c'était mort. Donc, mes chers compatriotes, donnons-nous les mains. Hein. Sinon, les bandits, là, ils cherchent à nous diviser pour rester aussi longtemps. Regardez aujourd'hui Ousmane Kouyaté, Lansana Kouyaté, Ousmane Kaba, les Siakabari et tant d'autres. Vous les voyez aujourd'hui, les Faya, ils achètent des motos, ils vont enlever l'argent là. Ouf. On prend l'argent du contribuable, on donne à d'autres pour faire les campagnes pour ces bandits-là. Et pendant ce temps, Selouda l'a empêché de rentrer. Sidia,
les membres de, c'est-à-dire les anciens dignitaires. Vous avez vu aujourd'hui comment ils ont brutalisé Dr Kassouri. Une année. Ali Touré est sorti ici se flanquer. Ce voleur qui a acheté maison en Europe. Sa copine, je vous ai montré ici des preuves, a pris 300 000 euros avec Ali ici. Il prend l'argent, ils sont là à intimider les anciens dignitaires. Et les peureux là. Moi je vous ai dit, wallah, tous ceux qui donnent de l'argent à Ali, à la CRIEP, wallah, c'est bien fait pour vous. Il faut être maudit pour prendre son argent, pour donner à des voleurs. Wallah, il faut être maudit. Acceptez la souffrance là. Vous avez travaillé dur pour vos familles. Au moins vos enfants puissent bénéficier de ça. Aller dans des bonnes écoles, avoir une bonne éducation. Si vous perdez tout, votre famille c'est fini. Mais au moins, vos enfants puissent aller dans des grandes écoles pour devenir quelqu'un demain. Mais vous allez grandir d'autres. Vous avez peur de quoi? Le président Alpha Condé a été mis en prison ici. Après la prison, il est devenu président. Mais vous allez avoir peur pourquoi? Pour donner de l'argent à ces voyous-là. Mamadi Doumbouya, l'argent qu'il a volé à la présidence, il a présenté à quelqu'un. Vous voyez les voyous, les amaras qui sont en train de construire aujourd'hui là. Et après, on vient se flanquer devant nos connards. Nous sommes venus pour la refondation des bandits, des narcos. Donnez votre argent. Moi, je dis, voilà, je n'ai pas de pitié ou de sentiment pour quelqu'un à qui on retire de l'argent. C'est des bandits qui sont venus pour s'enrichir. Vous voyez, les Ousmane Gawal, ils avaient quoi hier? Ils sont tous venus pour s'enrichir. Ils ont vidé tout ce qui était au trésor public. Vous voulez quoi d'autre? Il n'y a plus rien aujourd'hui. Tout ce qui était là comme réserve, il n'y a plus rien. Ils sont en train d'endetter le pays à travers les banques. Ils ont reculé la dette de 2 ans, 3 ans. C'est-à-dire le paiement de ces dettes-là. C'est-à-dire c'est quand, si on met le feu, on organise des élections, il quitte. C'est celui qui va venir après Mamadi. Ah voilà, je vous jure, tous les problèmes de la Guinée, ce qui est là comme problème, c'est Petit Biloy. Une année ou bien 2 ans à venir. Wallah, ça va péter. La Guinée qui est Torek Boumane. Allah Ramenge, Fayinan Fimouma, le président Alpha Condé, avec ses relations, Anoukhaliti et Rabat. Allo, Ebola était venu. Avec ses contacts, ses relations, les Kouchner, c'est-à-dire les grands hommes. Facilement, on a aidé la Guinée, on s'est en sorti. Sinon, si c'était des bandits comme les Mamadi Doumbouya, Ebola, si Ebola était là au temps des Mamadi Doumbouya, alors la Guinée, moitié béni nous fera. Parce que relations, Banque mondiale, personne ne va donner à ces voyous-là. Mais mon affaire, ma obé, ma mère, ma go, odoro, wallahi. Odora, hein? Qu'est-ce qu'on vous a dit ici? Qui ne s'est pas avéré. Awa fala moube. Moumi se fala ouba, moufini non dira. Ya fala mané adé rédé. Nda ndoumouya rafama, damoro ndoumouya mourafama. Ma anagam fala ma. Bira akolo non dira nnake. C'est pourquoi vous allez beaucoup parler. Personne ne va avéré. Vous allez beau parler. Mais damoro ta, a renseigner go, a non dira fala ma go, a dam ma menne. Damoro ta mou ndoumouya rafangre, ma mou letan fala ma. Voilà, meni nara. Hein? Même les supporters de Doumbouya, autant y a-t-il Nakolo. Parce que moi, je suis un peu RTG. Bêta, moufama, ça plaît à qui, il faut y vouler, fala. Amouna. Arafan birimane. Il n'en dit fala, mais il n'en dit pas fala. Nanana fa birima. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Voilà. Donc, on m'a fala obé. Le combat continue maintenant. 2-3 vidéos sur ces bandits, on va taper. Il y a d'autres dossiers encore. Même quand j'arrive tout de suite à la maison, j'ai le temps, je vais taper encore sur ces bandits-là. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas toujours de liker. Vous savez, Facebook, il y a des systèmes maintenant. Il faut liker la page d'abord. C'est ce qui fait que souvent, quand vous êtes en direct, Facebook, regardez, vous pouvez être abonné. Hein. Il y a le direct, vous ne voyez pas. Les gens la signalent, ils font tout. Donc, quand vous likez, moi, quand je publie quelque chose, vous allez voir automatiquement. C'est comme ça, il y a un système qu'ils ont mis maintenant. Donc, quand les autres vont signaler, ça réduit. Mais quand vous likez la vidéo, les trucs que nous faisons, si une fois vous êtes sur Facebook, la personne est en direct ou il publie quelque chose, vous allez voir. Donc, c'est pourquoi je vous dis chaque fois, il faut liker. Surtout ma Guinée 224. Ma Guinée d'abord, je synchronise. Voilà. Je partage là-bas, mais ma Guinée 224, c'est la page à sécuriser. La dernière fois, ils avaient mis Cadena là-dessus, parce que les bandits, ils ont une équipe.
pour signaler, mais nous sommes plus forts que eux. Voilà. 99% des abonnés, ils aiment Damaro. Actuellement, là, on n'est pas en campagne. Moi et UFDG, c'est l'amour sincère à l'heure là. C'est quand on va dire élection qu'on va se boxer très bien. Voilà. Même si mon beau est la celui dont on doit me donner sa fille. Non, mais pendant les élections là, ah, c'est là que ça va chauffer. Uh-huh. Donc, on est ensemble à bas les putschistes, à bas les narcos. Non, Sidikiba Magasuba, mon frère, toi, tu es à New York, la connexion est bonne et toi tu vois. Donc, au niveau de la Guinée, c'est là-bas le problème. Les bandits, ils ont réduit le débit de connexion. Ils ont réduit ça là-bas. Donc, chez vous, tous ceux qui sont à l'étranger n'ont pas de problème. Mais c'est au niveau de Conakry parce que le message, le plus souvent, c'est pour les gens de Conakry. Donc, ils ne veulent pas, en quelque sorte. Bon, moi, en quelque sorte, moi, ça me dérange pas. Parce qu'il y a plusieurs pages, ils prennent mes vidéos, ils coupent 5 minutes, 10 minutes. Voilà. Voilà. Non, Moussa Camara, mon Fassori travaille avec CNN. Depuis mon Fassori Kafoya, Kosrakatala, Kabafra Koko Mamadi Doumbouya, Kalini Mamadi Doumbouya le Kumato. B. Bekayo, Kwaminani Sigiri, Ko Akan Alunye, Ko Aleka Kuma Mifo, Kwate Mamadi Doumbouya contre là. Quoi les esprits CNRD liés, quand ma kouma fort, donc à quand ma madi d'oumbé à la soubile, n'ka folignane, Allemagne, moi l'oumirial, bé diananko le terre ou kafo, coup d'état à ke ma madi la bébrasse. Mais mon fassori ka kominotien, ou le fanka kabo, mon fassori a brafo bi, ko aye esprit CNRD li. Awa, tous ceux qui ont insulté le général hier, que j'ai dit que mon fassori travaille avec ma madi d'oumbé à, ah, na tiens mana bogberoti. Natiya mana bogbero nka falinyene almanyaye nka falinyene almanyaye awa bitiya mana bogbero nka kuma mi falinyene almanyaye mo fasori la kuma ka tieni mi ke be ka degaye hansini adegaye alkalo ko surasilu afankere mo chamayi kolale la mini fenuru aliolekela voilà donc somalu surasilu yo wala alule yela ka barelu ka alunye on est coup d'état te soukiri mais qu'à le préparer donc au kuma dol le doni mon fassori le tororo kuma foné ka bawolema e bara sura si kren sura si fura sura si kuntin de lui barre de le classice donc allez bara de comme président fa koneta wati dumbuya na la molu al dol ka le saraka djulu ke ka la milu ke ka kodol ke allo les lama et autres là donc mon fassori fono ole nani beka jamana wanyala beka loko mo stema mali dumbuya fait. Donc ça, c'est pareil. Je vous ai dit, quand quelque chose arrive, analysez, vous allez comprendre, vous allez voir la vérité dedans. Ne kami falinyana ya. Bon. Aluka kenyanya ka, ne koné makote. Kosi, c'était quoi? Moi, je suis aux États-Unis. Kakaraye kinyaka la. Ninka ngure lomi na mamadi dumbuya to pouvoir la kata la Guinée. Mosika kasim feoro, c'est kenka la ouri amaleke. Hein? Si mon fassori, toi tu as dit que les gens sont contre toi, toi tu te lèves, tu vas au commissariat. Hein? Et quand on a nini le bajouma, ni c'est très mon fassori, ni basi traburu, basi traburu ka yere latunu, atrede yere latunu yeke. Parce qu'à kafodoro ko moltamina la. Nan kamina le, c'est qu'à diyan anko le tere, atrede fait kamamadi dumbuya yele. Et on nous dit encore, lui c'est pas la maison centrale de, lui c'est pas pour voir balade, lui c'est pas pour voir Idi Amin de, lui c'est pas pour voir Amara de. Comme il a dit, véhicule climatisé, direction, direction Sekouturia. Parce qu'il a dit qu'il ne veut pas parler à quelqu'un sauf Mamadi. Le cinéma, là, vous avez vu l'affaire maintenant. Je vous ai dit 28 jours. On va faire 108 jours ici. 1008 jours ici. Le truc, les propos de mon fassori ne vont jamais se concrétiser. Voilà. Tout était fait pour se faire, c'est-à-dire pour avoir l'audience avec Mamadi Doumbouya. Comme Albert, le groupe ukrainien. Alors, ma tienne de maintenant. Voilà. Alors, ma tienne de maintenant. Que la vérité triomphe. Ko jamana la here komino. Alors, ma okela. Alors, ma okela. Anna here komino. Alors, ma okela quoi. Parce que moi, kuntamino. Voilà, jamana bara tienne bi. Foy bente. Be kasila. Be kasila. Be kasila. Nga fali benyene. Les propos de mon fassori
c'est ce que tous les Guinéens avaient sur le cœur. Mais Moffa Sory, parce que les gens croient au fétichisme, au quoi là. Donc les gens ont cru. Et mais c'est ce que tout le monde veut. C'est pourquoi ça a suscité beaucoup d'engouement en Guinée. Donc je vais vous laisser. Merci ma soeur Nadia, merci à Souleymane Camara, merci à Lansine Condé, merci à Lamfia Keita, merci au guerrier Zaltoma, merci à vous. Chérif Sadabou, merci mon frère, on est ensemble. Merci à Aladji Touré, merci à Lansine Condé, merci à Djibril Sissoko, merci à Adjabobo, Mamadou Diao Diallo, merci à vous. Merci à Alison Barry. Alison Barry, écris-moi en privé si tu veux mon numéro. Ali Bangoa, merci. Awa Fati, merci à vous. Moussa Kamara. Abou Kone, merci à vous. Le combat continue. On est ensemble. Abba les Poutis, merci pour le cœur. Voilà. Fatoumata. Voilà. Robert Firmino, merci à vous. Kambe le Titan, merci à vous. Merci. Ali Badra Bamba, merci à vous. On est ensemble. Fatoumata Diara ici là, merci à vous. Lorraine Haba, merci. Mon frère Guilavogui, merci à vous. Le combat continue. Abba c'est bandit, Abba c'est Poutis Narco. Sam Jules Sherif, on est ensemble. Bonne